Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec évidemment les Ottomans. Donc on va continuer doucement mais sûrement. On a fait là une belle guerre déjà hein, contre les Moghols qui nous ont permis de prendre vraiment beaucoup de territoire. Je réfléchis, je vois que là les Kilois ça va être mort. J'ai pas trop envie d'attaquer les Français dans l'immédiat. Ce que j'allais faire, c'est que j'allais attaquer Togurt là. J'en étais rendu là. Mais bon, avant, je regardais un petit peu ce qui se passait. On va intégrer deux grosses nations assez rapidement maintenant. Là, c'est bon. Ok. On va sans plus tarder attaquer. On n'est pas dans le genre à attendre des lustres que ça se passe. Je vais mettre mon armée juste ici. Celle-là ici. J'ai peut-être pas assez de troupes quand même. C'est une grosse nation que je m'apprête à attaquer indirectement. Ouais, remarque que j'ai 39 000 hommes en plus. Hein. Je pense qu'on va quand même être pas mal. Je sais pas jusqu'à quel point ils vont s'investir dans cette guerre. On va faire la guerre impériale. Ouais. Impériale parce que le but ce sera de prendre la capitale. Rien de plus facile. On va attendre d'être placé. Ah, ça j'aime pas. 128 000 en moins, ça fait beaucoup. Là, on va prendre un grand coup dans le nez, mais l'avantage c'est qu'on va gagner 2,5 de professionnalisme. Ouais, c'est qu'à peine rentable quand même, hein. Ouais, je le prends quand même. On va se retrouver à zéro, mais bon, on fait 4 500 hommes par mois. On part pas non plus pour un déficit trop long, je pense, cette guerre. Ne devrait pas être trop compliqué. Ça dépend à quel point sont motivés les Espagnols. J'espère qu'ils n'ont pas activé leur fort là-bas. Si, ils l'ont activé. La bonne nouvelle, c'est qu'ils l'ont pas amélioré par contre. Le but, ça va être de démotiver le plus rapidement possible Togurt, évidemment. Et pour ça, la solution, c'est quand même d'occuper tous ces territoires. Manu Militari. Ah, ils sont 38 quand même, hein. C'est pour ça que je me méfie un peu. Ah, en voilà un air que je vais bien aimer. 1, 2, 3, 4. 4 de base, c'est pas mal, je trouve. Alors, la loi sur l'abolition de l'esclavage. Honnêtement, non, parce que la puissance des missionnaires, j'y tiens. Le coût des technologies, tant pis, c'est secondaire, je pense. Très honnêtement. Donc, on s'en fout un peu. Alors, là, on a Parlement. Ça, on l'a pris il y a très longtemps, donc on en profite encore même aujourd'hui. Empereur, ça fait longtemps qu'on est empereur aussi. Des dépendances à plus de 250, ça fait longtemps aussi. Et on contrôle deux institutions. Eh bien ça, je savais même pas en fait. Par contre, j'ai pas de général 3 étoiles. Je contrôle deux institutions. Eh bien, c'est la première nouvelle de l'année, je croyais. Je pensais en contrôler qu'une. Comment j'en contrôle deux? Hein, on a piqué Prague et du coup on en contrôle deux, c'est vrai, ils ont raison. Putain, ils ont pas fini de légitimer quoi. J'espère qu'ils auront tout fini à temps. Bon, ça c'est plutôt cool. Je savais pas honnêtement. Bon, tant mieux. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est une capitale avec 50 de développement et un général 3 étoiles. Ça c'est plus dommage, j'avoue. On en a déjà eu, il me semble. C'est bête qu'on n'en ait plus. J'avoue. Ah merde, ça, je vais rester là. Bon, c'est pas grave non plus, hein. C'est pas plus bête que ça. C'est pas plus gênant que ça. Là, on va essayer de se faire cette armée. J'aime pas trop la voir, hein, nous tourner autour. Et ce serait bien pour le score de guerre, parce que. Sinon, le score de guerre va pas trop évoluer, il n'y a pas trop d'armées ennemies. Je peux en prendre un autre là, si je pouvais avoir un général 3 étoiles, bah voilà. Il suffit de demander. Ok, ça c'est cool dans le désert. Ah, ça c'est bien parce que du coup, avec 5, on va faire 9 points par mois. Non, on va faire plus que ça, on va faire 11 points par mois. Je suis désolé, c'est pas à jour. Ok, on n'est pas top, j'ai l'impression. Oui, je suis pas sûr que nos armées soient. J'ai trouvé que la victoire était pas aussi nette qu'on.
On aurait pu l'espérer en fait. Voilà, donc on fait bel et bien 11 points. Il y a plein de choses intéressantes évidemment. Hein. On a les moins 25 pour les dépendances sur notre continent. Alors il faudra regarder lesquelles sont encore sur notre continent. Ça c'est pas gagné par contre. On a le bonus pour l'artillerie. On a permet d'ignorer la distance de légitimisation. Bon ça on s'en fout un peu. Engagement naval plus 20%, bon pourquoi pas, c'est pas exceptionnel. Marche forcée gratuite, ça c'est génial évidemment. Plus 3 pour l'artillerie sur les sièges de. Pour les sièges. Ça fait qu'on peut. Et aspiration à la liberté pour les dépendances, moins de 0,33% pour les points de développement. Donc alors. Ça nous oblige à mettre beaucoup plus de forts par siège. Mais bon, on a les moyens, on a beaucoup. Je crois que je vais finir par faire plus d'artillerie. Je pense qu'en fin de partie, il peut être intéressant de faire plus d'artillerie. On va essayer d'intercepter cela. J'ai pas envie de les voir traîner chez moi, en fait. Multan, c'est quoi cette révolte là? C'est pas chez moi ça. Ouais, là faut que je fasse gaffe quand même. Alors eux, ils vont avoir plein de révoltes. Hein. Ils ont beaucoup de surexpansion. Ils devaient être à 90% ou un truc comme ça. Il faut quand même que je pense à la prochaine guerre. Je crois qu'elle est toute trouvée en fait. J'avais envie de me faire toute cette nation là. Ça va être facile. Je vois pas trop d'alliés gênants. Ménilia et Soulou. Alors. Ménilia, ça va être là, c'est Manille en fait. Et Soulou, c'est l'île qui est là. Donc, honnêtement, par contre, je vais avoir besoin de mes navires. Hein. Ouais, je crois qu'on va pouvoir prendre les troupes qui sont là, pardon. Pourquoi je peux pas embarquer? Je suis pas sur la bonne province, peut-être. Ok. Ouais, cette guerre-là, elle me dit bien. Il y a pas mal de provinces à prendre quasiment gratuitement. C'est toujours plus sympa quand c'est gratuit. Merde, ils ont réussi à m'échapper. On va essayer de les choper un peu plus loin. Là, malheureusement, on va être obligé d'avancer au fur et à mesure comme ça parce que. Évidemment. Ah bah voilà. Par contre, on arrive un peu au bout de ce qu'on va pouvoir faire, sauf à. Ah, ils ont une autre guerre à mener, les Espagnols. Ah, d'accord, j'avais pas vu. Bon, ce qui m'embête, c'est qu'on arrive un peu au bout de ce qu'on peut faire. Ce qui est en fait pas énorme. Tout bien réfléchi. Ça risque d'être problématique en fait cette guerre que je viens de lancer. J'avais pas trop réfléchi à ce que je pouvais obtenir. Mais en fait. Voilà, Castille là, ils sont. Je sais pas d'où ils viennent. En fait, ça m'embête d'avoir si peu de score de guerre. Grenade existe toujours, c'est quoi ce délire? Tout à l'heure, ils n'existaient plus, ils ont dû être libérés. Ils sont dans le rouge déjà, mais on va pas pouvoir obtenir grand-chose, je pense. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que là, si je m'avance, ouais, je pense que cette guerre, elle est pas si géniale que ça, en fait. Ouais, on n'a pas grand-chose à gagner pour l'instant. On va attendre un petit peu, mais le but c'est de se rapprocher évidemment d'Alger et de. Alger, on va y être. Mais c'est quoi les provinces qu'il me faut pour la prochaine mission? On est rendu ici. Là, c'est ces deux-là seulement. Par contre, Alger après, c'est un peu plus loin. Mais déjà, c'est pas mal en fait. Je pensais pas que ça suffirait. Ok, on va voir. On va peut-être pas aller trop loin dans cette guerre et puis. Oh, ça, on s'en fout. On va certainement pas prendre deux d'agitation.
Ok, je vais faire une petite pause. Voilà, je vous reprends pour un petit quart d'heure. J'ai été coupé. Et en fait, j'ai été coupé pendant 3 jours là, mais ça pour vous, ce sera transparent. Je vais. Alors, j'avais commencé à dépenser mon argent, mais peut-être pas en fait. Il faut quand même faire gaffe. Ouais, là, je sais pas comment je vais faire honnêtement. On est quand même très très loin du compte. Je pourrais construire plus d'universités pour accélérer les choses quand même. Peut-être pas si mal. Ok, on va essayer quand même de faire un peu d'université. Ça booste en théorie. Comment je pourrais voir de quelle manière ça booste? Je me rappelle, j'en ai fait. Ah, par contre, ce serait bien si la Silésie s'y mettait parce que. La capitale, ça a l'air d'être bon. Et du coup, ça propage, j'espère, de façon. Oh non, c'est tellement petit, c'est tellement faible. Ouais. Par contre, Novgorod, ils en sont où? Parce que Novgorod, c'est bientôt fini. Donc s'ils sont bien avancés. Oh, ouais. Ça, c'est pas mal en fait. S'ils sont bien avancés sur le truc, j'allais dire. Bon, on verra. De toute façon, on va peut-être maintenant accumuler un peu d'argent là parce que. Quoi qu'il arrive, ça nous coûtera cher. On va essayer d'aller occuper Marrakech, histoire de faire un peu plus de points de victoire. Parce que là, le score, évidemment, va être compliqué à monter. Je sens qu'on va pas aller très très haut dans cette guerre, honnêtement. Ça me paraît pas être une bonne idée d'aller trop loin. Alors, fabriquer une revendication à Gram, pourquoi pas. J'ai bien envie d'attaquer l'Autriche après, mais ce qui m'embête, c'est que il y a encore 5 ans. Ouais. Donc ce sera pas eux les prochains. Tout ça, ça doit être des membres de la coalition. Ouais. Castille et Pays-Bas. Montferrat. On va faire une revendication sur eux, juste au cas où. Là. Il nous faudra 30 points de plus. Ouais, ça va le faire. On a le temps. Ok, bon. Non, je pense que là, j'aurais pas besoin de plus d'unités. Je vais renvoyer ça plutôt par là. Là, je peux plus rien. Je peux plus faire de guerre parce que maintenant, j'ai la France en face de moi. C'est pas tip-top. Ce que je peux faire, c'est attaquer Gujarat. Là, il faudrait que je regarde combien ils ont de troupes. Armée nationale. Bon, Jaunpur, ils en ont 184, ça c'est clair, ils sont alliés avec eux. Et Gujarat. C'est bête, j'ai perdu mon ennemi favori, les Moghols. Ils ont que 75 000 hommes. Ok, là, ici, Chagatai, ils sont alliés avec. Chagar, que je peux pas aller chercher, ils sont là. Donc ce sera les Ming ou rien. On est 24. Les Ming, ils sont de notre niveau militaire, hein, mine de rien. Ils ont pas un poil de retard. Ça me dit pas qui je vais pouvoir attaquer, quoi. Peut-être le Portugal. Le Portugal, ce serait pas mal, le Portugal. J'ai. Non, là c'est trop tôt pour ici. Ouais, on a cette armée-là. Bon, déjà, je vais peut-être me faire toutes les Philippines là. Ça me donnera quelques années. Mais le problème, c'est qu'il me faut que je fasse mes 30 provinces dans la décennie là. Mine de rien, 30 provinces, c'est pas négligeable. Mais là, je pense qu'on peut peut-être y aller. Eux, ils sont alliés à. Ouais, ça c'est pas top. Ah, ils sont tributaires des Ming en plus, eux. Comment ils se retrouvent tributaires des Ming? Je pensais qu'il fallait une frontière commune ou quelque chose. Non, peut-être juste la proximité alors du coup. D'accord, donc ça c'est la mauvaise surprise. Je pensais qu'ils avaient juste un allié chiant, mais en fait ils ont aussi les Ming. Donc ah, fini l'âge d'or. Honnêtement, il nous a quand même bien aidé, je pense. Donc là on est bien. Hein. Ah ça fait plaisir quand même. Ça je pourrais pas y arriver honnêtement. Je crois que je suis très 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 loin.
Ouais, donc il n'y a aucun moyen d'y arriver. Faudrait prendre des doctrines militaires, des décisions là. Ça me paraît compliqué. Je sais pas. Est-ce que le seul moyen, ce serait pas juste Gujarat en fait? Les Moghols, c'est un peu tôt sans doute. Ouais. Le Portugal, honnêtement, ça me dirait bien le Portugal, mais. Il y a tout ça aussi à prendre, mais j'ai pas assez de navires sans doute. Peut-être commencer à préparer une deuxième flotte en fait. Ah ben j'ai dit que je voulais économiser des navires quoi, c'est mal barré. Et économiser de l'argent, pardon. Bon. J'ai regroupé tous mes navires, en fait je leur ai donné aucune mission à ces andouilles. Bon, c'est pas grave. On verra ça tout à l'heure. Là, c'est la guerre avec la Castille. J'ai pas envie de les exposer à des problèmes. Ils sont enfin revenus, eux. Ils étaient en Afrique, genre la corne de l'Afrique, là, très très loin. Ça leur a pris toute la guerre pour revenir, quoi. Pourquoi personne ne prend ça alors qu'ils étaient dessus et ils ont abandonné, quoi. J'aime pas quand ils font ça. C'est très énervant en fait. Ok, donc ça c'est bien, on est juste à côté. Ok. 28. Ça c'est jusqu'à quand? 13. Ah putain, c'est dans 2 ans. Peut-être que ça pourrait être notre prochaine cible, quoi. Ça devient un peu. J'avoue que ça devient un peu lassant aussi. Mais. Alors, faut que je fasse ça aussi. Ouais, peut-être qu'on va. Ah, peut-être faire ça simplement. 2 ans, c'est peut-être un peu long, mais. On va voir ce qu'on a le temps de faire. Parce que là, cette guerre, elle est quasiment finie. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi rappeler cela. Ok. On est monté à 26, ce qui va, j'espère, nous permettre de prendre au moins une province de plus. Ce que je pourrais faire, c'est. On va aller occuper ces deux territoires-là. Parce que je vois que j'ai pas de diplomate et. Oh, les emmerdeurs, ils sont venus jusque-là. Et j'ai pas de possibilité d'en libérer facilement. Celui-là, j'aimerais bien attendre de faire 2 mois de plus en fait. Ouais, encore 1 mois. Ok, donc ça va gérer. On va les aider parce que les pauvres. Là, c'est pas facile pour eux, j'avoue. Je leur ai donné beaucoup de territoire. Ah, moins 79 000 à chaque fois que je remonte. C'est la punition. Ça, on peut désactiver. Ce que j'ai envie de voir, c'est. Je voulais regarder quelque chose, je sais plus quoi. Merde, ça, c'était un truc. Est-ce que c'était important? J'en sais rien. Oui, voilà, je sais. Est-ce qu'on a récupéré une puissance démissionnaire? Non, que dalle. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Ok, là c'est bon. Ah bah voilà, enfin. Donc voilà, on va se contenter de ça parce que c'est tellement long sur eux que parfois c'est un poil pénible. J'ai déjà pas mal de revendications sur eux, ceci dit. Istrien par exemple. Ok, on va arrêter ça. Parfait. Alors je pense que finalement avec 28 là, on est pas mal. Ah, ils ont. Ouais, faut que je me méfie quand même parce qu'ils commencent à reprendre plus de provinces que moi. On va peut-être pouvoir prendre. Alors ça s'est désactivé, mais. Je crois qu'avant on était bloqué sur les 3 là. Mais en fait, on va pouvoir aller un peu plus loin. Même en fait, c'est plutôt sympathique. On peut aller beaucoup plus loin, entre guillemets. Si je pouvais avoir ça pour mes amis siciliens. C'est un petit territoire, ça. Ah, non, le problème, c'est que je suis plutôt sur le recul là, parce qu'ils occupent des. Des territoires, et ça c'est merdique parce que j'ai pas moyen de faire de bataille.
Donc en fait, on va lâcher l'affaire sur ces 5 territoires, c'est pas si mal, ça me permet de bien m'implanter là. Ouais, c'est pas si mal. On va s'arrêter là. Du coup, on va leur prendre aucun territoire, c'est bête quand même. Ça reviendrait au même. Ouais, c'est dommage quand même. Ça reviendrait au même, grosso modo. L'avantage que je vois, c'est que je donne un territoire à la Sicile. Ça fait un de moins pour moi à légitimer. Je sais pas quoi faire. Bon, on va. Ce qui compte. Franchement, ce qui compte, c'est le nombre de territoires. Donc, en fait, ça revient au même. Je pense. Ouais, peu importe. Ah, si, j'en prends un quand même. Donc, en fait, j'en prends deux. C'est parfait. Ok, je me demandais, eux, ils appartiennent à quoi? Oh là, non, c'est pas bon ça. Cité de Maroc, Alsace, hein, ça peut être intéressant. Ouais, ça fait beaucoup de petits territoires, pas grand-chose à gagner en fait. C'est pas génial, ce serait pas extraordinaire. Ok, donc là, on va prendre ça pour nous. On va prendre la mission qui va nous donner, je pense, d'autres territoires légitimes. On va revendiquer Malte, ouais, qui est pas très intéressant. C'est tout. Ah, et Alger quand même, ouais. Et donc, j'ai plus que ces deux terri trois territoires-là à prendre et ce sera fini. Ok, pas mal. Est-ce que. Eux, ils ont plus d'alliés ou ils se sont trouvés. Non, ils ont plus d'alliés. Donc faut qu'on leur fasse la guerre. Eux, personne s'occupe d'eux, donc je vais les attaquer. Est-ce qu'ils seraient pas tributaires des Ming là encore aussi? Putain, j'en ai marre, ils sont tous tributaires des Ming. Ouais, pas eux. Mais c'est. Ouais, Tondo. Ok, bon, c'est un peu moins intéressant. Mais j'ai pas le choix en fait. C'est pénible les Ming là. On commence à s'approcher d'eux et du coup on tombe que sur des territoires. Ok, il n'y aura pas la cité Bérou, je sais pas quoi là. C'est pas très grave. Je pense que même si on les a pas mis en co-belligérant, on va pouvoir leur prendre pas mal de territoires. Ça devrait pas poser de problème. Allez, débarquement, c'est toujours un peu long. L'épisode fait 12 minutes, je vais pas tarder à arrêter. C'est très très long, je trouve. Ok, on peut pas y aller parce que on n'a pas le contrôle des mers, mais on va le prendre. Ok, là ça devrait être bon. On va se diviser, je pense, pour être plus efficace. Les Ming sont là, mais ils sont pas dans cette guerre, hein, donc on va pouvoir s'en occuper. Ils font peur là, mais. Ok, donc ça, c'est pas. Il n'y a pas de souci. Je pense que je peux déclarer la guerre à ceux-là vite fait, pour pas perdre de temps. On va rentabiliser tout ça pour faire ça en express. Là, j'ai pas de possibilité. Alors peut-être non, les Kilwa, ça va être compliqué en plus parce qu'on n'a plus vraiment d'accès. Venise. Ouais, je pourrais faire la guerre à Venise, ceci dit. Bon, j'ai pas vraiment besoin d'aller par là. Casdir. Ouais, Casdir, le problème, c'est ses alliés, c'est un peu compliqué. Aragon, État Pontificaux, ok. Oh là, je sens qu'en fait, Montferrat va disparaître purement et simplement. C'est même pas la peine d'essayer, là. Indépendance garantie par Jaunepour. Ça, c'est original. Ça, c'est fun, quand même. Que vient faire Jaunepour ici? Je pense qu'ils ont dû coloniser. Ah, ils sont là.
Ça, c'est fun quand même. Je sais pas comment on en est arrivé là. Alors, la trêve, c'est juillet 1713. Donc, faut qu'on soit prêt. Ça devrait pas trop poser de problème. Et c'est quoi ce pays là? Ah, d'accord, Lipan. Ça doit être une nation indienne, ça, je pense. Enfin, indienne d'Amérique du Nord, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, les Anglais sont pas mal, hein. Les Hollandais aussi. Voilà, c'est bien divisé. Portugais, français, espagnol. Bon, je vais m'arrêter là, je pense. Je vais continuer à ramener mes armées. Je vais bientôt récupérer l'armée de Novgorod. Ça va être intéressant. On n'a peut-être pas besoin de maintenir 30 000 hommes ici, honnêtement. Ok. J'ai 3 000 ducats. Hein. On va être prêt pour l'institution dès qu'on aura réussi à faire quelque chose, j'avoue. Pour l'instant, ça n'avance pas. On a une seule province. Hein. Alors, j'ai fait quelques universités, donc je pense que. 0,73. Ah, une province voisine et. Dispose d'un siège au Parlement. Ah, ça aide, ça. D'accord. Et normalement, il y a quand même bien l'université quelque part. Dispose d'une université. Plus 0,08. En fait, le truc, c'est. Ah, il me faudrait un scientifique pour que ça marche partout. Scientifique, scientifique, c'est quoi un scientifique? Je sais même pas, sérieux. Quel genre de bonus pourrait me donner un scientifique? Qui est peut-être un bonus militaire? Non, mais j'en ai pas en fait, donc je sais pas. On va en jeter quelques-uns. Mais souvent, ce qu'il y a de super fun, c'est que quand on en jette, en fait, c'est les mêmes qui reviennent. C'est le même, même type, quoi. Scientifique, j'avoue que je sais pas du tout. On va regarder la fin du mois et puis je vais arrêter la vidéo. Ok, ça c'est cool. Juste pour voir un peu ce qu'est le scientifique en fait, j'en ai aucune idée. Ok, ça va être rapide. Ça va être rapide aussi, il faut qu'on bouge rapidement parce que. Y a pas d'autre moyen là? D'accord. Donc en fait, on va embarquer. Ok, je regarde. Ah oui, il y avait cette possibilité là aussi de faire la guerre. Bon, c'est pas grave. Je regarde vite fait et j'arrête la vidéo. Et voilà, je crois, mais je m'avance, mais je pense. Ah, scientifique. Honnêtement, ça vaudrait le coup. Par contre, c'est pas une culture acceptée, donc je pourrais pas l'améliorer. Merde. Bon, bah non, ça sert à rien en fait. Je veux quand même un plus 3, quoi. Après, que ce soit une stat qui serve à rien, tant pis. Je pourrais à la rigueur l'accepter. Je vais aller les aider là. Ok, je vais m'arrêter là, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.